S'il vous plaît, un tournoi d'applaudissements pour les mariés. Je vous entends pas. J'ai un pendant magnifique. Où sont les paparazzi là? Où sont les galeries devant? Où sont les paparazzi? C'est l'occasion ou jamais. Oh, pas de danse magnifique. Pour ce jeu de bonheur, ce jeu de gloire, je vois Simon et maman Louise. Alléluia. Vous avez vu comment ils sont habillés, c'est des stars aujourd'hui, hein? Des stars aujourd'hui, de cet événement. Accroché à
c'est moi qui signe. Les témoins sont appelés à la signature du registre. Pour la signature, s'il vous plaît. La signature des registres autour de la table qui peut être pour le repère le temps que les mariés vont s'échanger dans une table vers un statut pour un apéritif. La cérémonie, peuple de Dieu, elle va avec toi aussi. C'est la perfection. Je vous invite à vous rendre vers les tables qui sont situées vers la sortie pour prendre un apéro. Autant que les mariés se préparent qu'ils prennent le photo. Vous avez une table vers la sortie pour l'apéro, s'il vous plaît. N'hésitez pas, vous avez des hôtesses qui vous conduiront à cette table. Voilà. Un apéro vous a servi vers la sortie. Vous êtes invité à un apéritif qui est servi. C'est le moment de faire des photos avec le mari. Une photo. Les photos avec les mariés, c'est par ici s'il vous plaît, les photos avec les mariés. Vous vous souvenez de cet événement. C'est maintenant les photos avec les mariés. Servi vers les sorties pour le désintérêt. Je sais pas.
Thank you.
La reine est le roi. La reine est le roi. Lucas, ouais. Tu prends de la vente là. Tu prends de la vente là. Oui, la vente. C'est bon. Super. Le roi et la reine, dormez-moi aujourd'hui.
Soyez heureux. Soyez des bénédictions. Jean le roi et la reine. Ah oui, la commune royale. C'est pas si bon moment lui, soyez bénis. Donnez-moi mon calé, allez.
vous voulez encourager. C'est les manières, hein. Les applaudissements, s'il vous plaît. Les applaudissements. Excellent applaudissement pour les deux jeunes filles. C'est le cadeau pour les mariés. Les mariés vont s'asseoir avec leur respective. Nous allons passer à la bénédiction du repas dans quelques instants. Nous allons passer à la bénédiction du repas. J'invite le pasteur Arnaud. Alors, la musique va un tout petit peu baisser. On va essayer de faire un peu de silence en nous-mêmes, un petit peu de silence dans nos cœurs, pour pouvoir rendre grâce au Seigneur. Je suis désolé d'être obligé de brider un petit peu, mais voilà, il faut un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. Les enfants ? Les enfants, on va essayer de faire silence un tout petit peu, juste quelques secondes, qu'on va consacrer au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci de ce culte que nous avons vécu ce matin. Merci pour la parole entendue. La parole qui vient de toi et la parole que Simon et Louise ont pu se dire l'un à l'autre. Merci pour le fait que tu nous as fait, de nous tous, des témoins de ce mariage. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir. Nous voulons te consacrer tout cet après-midi. Nous voulons te consacrer toutes les discussions que nous allons mener les uns avec les autres pour qu'elles soient sous ta lumière. Que la nourriture que nous partagions, que les boissons auxquelles nous nous abreuvons puissent alimenter le ressourcement que tu nous proposes cet après-midi. Le ressourcement physique, ressourcement psychique et ressourcement spirituel. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton règne vienne maintenant. Amen. Et je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit, mais je vais redonner la parole à Guy. Le mari est pauvre au bâtiment du buffet. Il y a une hôtesse pour les invités. Vous avez des problèmes de terre là-bas.
Voilà. Merci.
Je vais faire un playback, je vais chanter et danser avec elle et ça me fera plaisir, hein. D'accord, vous allez nous encourager parce que moi je sais pas danser, elle danse très bien, donc vous allez nous encourager, moi je vais chanter, elle va danser, d'autres peuvent se mêler à nous, on pourra ensemble danser et puis dis, j'ai besoin de au moins de d'immortaliser le ce moment là. Demander pardon alors qu'on est la victime, c'est vraiment faire preuve d'un courage divin. Au Kalaki, non, l'Igigo, nous, ma pépo, elle est pas barbo. Oye, la nazouzou, koko, la qui me fao. Oye, la natagué, vous, la qui me fao. On a tout bien, oh bon, Dieu veut qu'on pardonne et qu'on demande pardon en toutes circonstances. Tu es mon Dieu.
Soumboué, Maître Alexandre Assamoa, Excellence Vincent de Paul Dizia. Oh yeah. Le pardon est une puissance qui libère. Daniel Mboa, Iliad Doka, Colonel Pablo. Le pardon, oh, le pardon, libéré. Merci à tous, bien puissamment remercié. Et le traditionnel, le tour de la famille.
elle est connue. Nous prenons pour les mêmes, on est venus dans la rue. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Avec des pas de danse. Je dis merci, merci, merci. Merci d'être venus si nombreux. Vous entourez. L'entourez. Vous voyez, tout à l'heure, le pasteur a dit que dans ma vie, et dans la vie de l'OL, il y a eu des moments difficiles, des moments de tristesse, des moments de détresse, des moments de souffrance. Et je vous dis merci pour la joie que vous mettez aujourd'hui dans mon cœur. Vous voyez cet arbre-là? Vous le voyez? Oui? Vous avez vu le tronc qui est par terre? C'était un très gros arbre. En 89, la tempête est venue la déraciner. On l'a coupé. Nous l'avons coupé. Et puis on dit, bon, le tronc qui reste, bon, c'est fini, bon, c'est mort et que... On laisse pour que les enfants, c'est trop gros pour nous de couper. Sinon, il faut appeler quelqu'un pour le couper, ça coûte cher. Donc, on le laisse pour les enfants jouent dessus. Mais un beau jour, il y a un beau jour qui est sorti. Et voilà qu'il est devenu grand, beau. Et vous voyez les fleurs qu'il y a dessus. Si vous mettez un peu de l'autre côté là-bas, vous allez voir que c'est très beau avec les fleurs. C'est le symbole de notre église. Parce qu'elle était aussi fermée. Et petit à petit, nous sommes devenus aussi nombreux que vous les voyez aujourd'hui. Je ne compare pas ma vie à la vie de cet arbre ou à la vie de l'église. Mais ma vie a été bouleversée. J'étais terrassé, décapité. J'avais plus envie de vivre. Et voilà, un beau jour. Après avoir prêché, une sœur me dit, est-ce que je peux te parler? Je dis, pourquoi pas? Elle me prend jusqu'à la porte là-bas. Elle me dit, mais frère, pourquoi tu veux te suicider? On va faire une chose, mais moi me suicider, j'ai pas envie de me suicider, moi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, tu bois beaucoup. Effectivement, en moins d'un an, tu es devenu un immigrant. Et ça m'a fait un choc. Et la réponse que je lui ai donnée, j'ai fermé les yeux pour lui donner la réponse parce que tellement ça m'a fait un chaud. J'ouvre les yeux, elle n'est plus là. Elle est partie. Et je ne connaissais pas son nom. Ça a duré comme ça 2 ans. Je ne cherchais pas à demander à qui, comment elle s'appelait. Mais je la vois, je dis ma soeur, on se dit bonjour ma soeur. Et puis je dis un jour, je connais pas son nom après. Et Dieu a fait de telle sorte que un jour, on s'est trouvé et je lui ai demandé son nom.
Et quand on s'est vu la première fois, on a parlé chacun de nos souffrances. Et on a fini par parler la parole de Dieu. Et c'est une ferrure de la parole de Dieu. Ce qui nous a unis, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a unis. Ce n'est pas simplement un amour charnel. Bien que le pasteur a dit qu'il faut en profiter au maximum. Mais c'est l'amour de Dieu avant tout. Grâce à elle, j'ai repris l'envie de vivre. La joie de vivre. Amen. Ça m'a beaucoup réconforté. Et dans la maladie, et dans la détresse, et dans l'angoisse, et dans la dépression. C'est pour cela que je lui ai donné, je l'ai appelé ma joie de Dieu. Ouais. Ouais. Dans ma langue, je l'appelais l'OL. Voilà. C'est ma joie de Dieu. Et puis, vous savez, ce que la Bible nous dit ne concerne pas seulement les autres, ça nous arrive à tous. Non seulement j'avais perdu celle que j'aimais, et en même temps, j'avais l'impression de perdre aussi tous mes enfants. Parce que Job, au moins, Dieu lui a laissé sa femme. Mais moi, il m'a pris ma femme et mes enfants aussi sont partis. Je me trouvais vraiment seul. Seul. Et là, dans la Bible, et à la conclusion, il dit que Dieu a donné encore à Job plusieurs enfants. Or, vous savez que Job avait déjà des grands enfants. Donc sa femme était déjà âgée, elle ne pouvait plus donner d'enfants. Lui aussi âgé, il ne pouvait pas donner d'enfants. Dieu n'a pas épousé une autre femme. Les enfants que Dieu lui a donnés, ce sont les enfants qui l'ont donné leur parents. Et là, et aujourd'hui, je suis ému parce que j'ai retrouvé mes enfants qui sont venus m'entourer. Et j'espère continuer. Mais là, Dieu m'a donné plein d'enfants ici dans cette église. Tous les petits-enfants, tous les grands-enfants, tout le monde appelle Papa Simon, Papa Simon, Papa Simon, tout le monde. Et ailleurs aussi. Surtout, celle qui m'a vraiment, comment dire, donné cet amour d'enfant pour son père. Anne-Laurette, elle est où? Anne-Laurette, elle est où? Elle a disparu? Non, non. Elle arrive. Oui, elle arrive. Voilà. Donc, dès le départ, elle ne m'a pas appelé tonton. Ou oncle, ou monsieur, non, avec papa. Ah, ça m'a donné le courage. Non. Et puis, quelqu'un qui m'a encore beaucoup plus ému, c'est Sylvie, elle est où? Sylvie! Sylvie, Kofi, elle est où? Sylvie! Ils sont tous là-bas à la cuisine.
Allez-vous la chercher, s'il vous plaît. Comme elle est déjà mariée, donc je n'ai pas vu tout de suite. Je l'ai rencontrée une fois. Et la deuxième fois, simplement, elle m'appelait papa. Mais ça m'a vraiment ému, ça m'a donné vraiment chaud au cœur. Et puis, vous voyez, là aussi, Dieu fait bien les choses. En novembre dernier, j'étais parti en Côte d'Ivoire pour voir le père de cette femme qui aime tellement Dieu, qui parle souvent de Dieu, qui me réveille la nuit, il faut prier, et qui me donne des sujets de prière, qui m'explique que la parole de Dieu. Moi, qui pensais qu'elle était débutante et que je pouvais l'enseigner, elle qui m'enseigne la parole de Dieu. Oui, c'est une grande joie d'avoir quelqu'un qui vous partage la parole. Alors, vous voyez, Sylvie, voilà, je l'ai rencontré une fois, la deuxième fois, elle m'appelle papa, vraiment, ça m'a réveillé le papa. C'est ma fille aînée. Donc, voilà. Voilà, Sylvie. Ils m'ont beaucoup encouragé. Et quand je suis allé à Côte d'Ivoire, donc, ma famille que je n'ai pas connue, elle, on a. Je pose le téléphone avec son père, avec ses frères. Mais je rentre dans la concession, le même jour que l'on m'appelle papa, 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 tout le monde, tous les enfants. Mais vous avez c'est quelque chose qui fait très chaud. Vous dites, la famille biologique, c'est bien. Mais la famille de Dieu est encore la meilleure. Elle vous donne envie de vivre pleinement votre vie. Merci de venir nous entourer de votre amour, de votre amitié, de votre fraternité. Merci beaucoup. Et je vais terminer par le terminer. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que puis-je dire après un si bon témoignage? C'est merveilleux. Ne m'appelez plus jamais Mara, a dit Naomi. Appelez-moi désormais Naomi. Ne m'appelez plus Louise. Appelez-moi Loen. Amen. Que ça soit un petit enfant de 2 ans, de 3 ans, qui vient de naître aujourd'hui, désormais appelez-moi Loen. Plus de maman, plus de tanti, plus de tata. Que tous m'appellent Loen, la joie de Dieu. Amen. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon.
cet évangéliste, il y a trois personnes en Dieu. Il y a le testament, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qui a dit? Savez-vous ce qui a dit? Il y a six jours de travail, le septième et le repos. Il y a cinq jours de Moïse, il y a quatre évangélistes. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Ouais, ouais, ouais. Applaudissements s'il vous plaît. De ce beau chant. Quelle bénédiction pour les mariés, des jours heureux, des applaudissements, un tonneau d'applaudissements pour les mariés, s'il vous plaît. Que la gloire de Dieu resplendit dans la vie. La piste est ouverte pour ceux qui veulent rejoindre les mariés sur la piste, pour les accompagner dans cette danse. Pour accompagner les mariés sur la piste, pour accompagner les mariés. Et pour les courageux, sur la piste pour accompagner les mariés, s'il vous plaît. On se parle de danse, cette rumba. C'est parti, danse. Avec le compère Isaac, qui a tout à l'heure, Mary Pabao. Dieu veut qu'on pardonne et qu'on demande pardon en toutes circonstances. Elle est pas bas, elle est pas bas, elle est pas bas, elle est pas bas. Je vous invite à vous lever. Je vais me marier sur la piste de danse, s'il vous plaît. C'est parti. Une partie de danse. On a des mariés, s'il vous plaît. Et de vous. Voilà. Les hommes sont pas courageux sur la piste, s'il vous plaît. Alors, on a des mariés sur la piste. C'est bon, merci. Pardon Jésus. Ange tiré, je vous demande pardon. Yahweh, 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 Yahweh,
enfance. Tu es ma force. Oui, les enfants. J'ai parti pour les enfants. Docteur Carlos Mboué, Maître Alexandre Assamoa, Excellence Vincent de Portisien. Oh yeah. Pardon Yahweh, pardon Yahweh, pardon Yahweh, pardon Yahweh. Oh docteur, nous parlons libère, frère et soeur. Nous parlons, et ça nous libère. Le pardon est une puissance qui libère. Oh Daniel, pardon Yahweh, pardon Yahweh. Vive le marié. Le pardon, ça nous libère. Ça nous libère. Ça nous libère. Ça nous libère. Libère, 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 libère. Libère, 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 libère. Le pardon, ça nous libère. Le pardon, ça nous libère. Ça, n'oubliez pas, si c'est un cadeau pour les mariés, approchez de ma boîte. Merci Didier. Dédicace particulière à Didier qui nous balance du sang. Du meilleur sang. Sous la piste, tous les camps, c'est parti. Tous les camps.
Maman, vous êtes
faites du bruit pour les filles. Je plonge en pour les filles, s'il vous plaît. Ah oui, ma belle a plu. Elles ont évolué. Elles ont quitté cette danse. Voilà. Ma belle a plu. Les applaudissements. Pour les parents. Les photos
souvenir et l'oublier de vous cette soirée. Say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Oh, petit navet, petit navet. La puce à ma main, la puce à ma main. Petit navet. N'oubliez pas de se regarder, c'est un événement. Avec une photo, photographie là disponible pour vous. C'est photo limite aujourd'hui. Hein. À la semaine prochaine, vous avez la photo. Nous allons procéder à la coupe du gâteau. Petit Nandai, petit Nandai, la fille, moi, petit Nandai. Ah oui, le pas de lance, magnifique. Oh, say yes, nobody can say no. When Jesus say yes, nobody can say no. Say yes, nobody. Oh,
can say no. When Jesus says yes, nobody 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 can say no. Nous sommes le monde de Seigneur, je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Je ne vois pas. La copie du gâteau dans quelques instants. Le gâteau, la copie du gâteau. Nous allons revenir sur la piste pour notre avis. Nous sommes 5 kilopins, vous pouvez rapprocher pour la copie du gâteau. Nous allons procéder tout de suite à la copie du gâteau. Oui. C'est parti. Les enfants, enlevez vos têtes là. Vous allez être servis en premier, je vous promets. Je sais que vous avez les gâteaux. Ça va servir. Un très bel applaudissement, s'il vous plaît. Bravo! Alors, maman, voilà. Maman va donner le gâteau. Voilà. Ah, Lima. Je donne bien. Bravo! Applaudissements pour les mariés. Moi j'entends rien. Applaudissements s'il vous plaît. Et yes, nobody can say no. J'ai dit oui aujourd'hui. Alléluia. On peut manger le gâteau. Donne le sang à nos enfants. Moi je vais balancer. Didier. Didier, balance le sang. Aïe 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 aïe. Le feu. Simons-nous le péché et purifie nos âmes. Le feu est allumé aujourd'hui. Hein. Chantons-le, mon frère, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Est allumé aujourd'hui, le feu est
sans instrument. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. De ton feu, Seigneur. Brûle la voix. De ton feu, Seigneur. Brûle la voix. Brûle la voix. Brûle la voix. Je ne vois pas, ça ne brûle pas. Brûle la voix. Il est là. Il est là. Jusqu'au pied, jusqu'au jambon, ça brûle. Hein. Le feu du Saint-Esprit brûle en nous. Je reçois.
Oh, yeah.
C'est parti, hein. Allez, Marie, hein.
Selena. Yo mon petit. Ah, ah petit Nangaï. Le pas de lance, c'est parti. Soleta, attention rhumatisme, hein, faut pas soulever les jeunes. Hein. Attention rhumatisme, faut pas soulever les jeunes. Hey 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 hey. Ah, y en a qui dansent mieux aussi. Hein. On est aussi le fils, quand même. Ah ouais, parce que. C'est parti, aïe. Oh les mariés, quel spectacle les mariés. Ce sera depuis 10h du matin, nous sommes là pour danser. Oh, on est les mariés. Ah oui, il y a tellement de souvenirs. Oui, les paparazzi, il faut garder ces images-là. C'est magnifique. Ils sont là, les paparazzi. Parce que la jeunesse aujourd'hui, nous devons un peu de défendre, nous. Ah, merci, nous deux, parce que voilà, est-ce d'aujourd'hui? Ah, ben oui, il a voulu défendre, oh petit Nangaï.
l'occasion, vous dites que c'était l'anniversaire de la petite fille. Ma petite fille qui a eu 9 ans aujourd'hui. La petite fille de la mariée. La petite fille de la mariée qui a eu 9 ans aujourd'hui. Donc, on va chanter joyeux anniversaire. Ah, d'accord, je vais dire. Joyeux anniversaire. Joyeux continue dans l'ambiance. C'est parti, on est à l'année. Attends,